Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en trois lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous nous revenez tout bronzés, un peu comme Robin qui, je crois, n'a pas manqué de soleil cette année. Alors, c'était bien la Sardaigne ? Oh, disons que j'ai un peu forcé sur la graisse à traire. Et vous, vous avez fait quoi, Christian ? J'ai monté une nouvelle équipe et j'ai demandé à deux vieux copains de recruter de nouveaux économistes. Des nouveaux économistes pour une nouvelle saison ? Ouah, ça tape ! Edmond, Serge, je crois que vous les avez rencontrés pendant vos vacances. Ouais, on a sympathisé au camping. Ils viennent d'un peu partout. D'Inde, de Chypre, d'Allemagne, du Venezuela, ça va être chouette, ça va être cosmopolite. Mais vous m'inquiétez, ils vous ont écrit quoi, ces économistes ? Ah, que des sujets de fond, Christian. Tu nous connais, professionnel. Alors, le premier sujet a été pondu dans un kibbutz et son auteur va nous parler d'amour et de collectivisme. J'appelle le sujet le plus hippie de la rentrée, l'économie de partage. Ah la vache, disez-moi un peu la qualité de ce sujet. Ensuite, mon petit Christian, on va mater un sujet beaucoup plus rigoureux. Avec l'allemande Katharina Witt. Grâce à elle, on va savoir pourquoi il faut réduire nos dépenses publiques. Oh, les réductions des dépenses publiques. Quelle rigueur, ça me rend tout raide. Le troisième sujet nous vient d'un pays chaud et bouillant comme une bonne paella. Muy caliente, la corrida. Edmond, tu peux refaire passer le dernier sujet ? J'ai pas eu le temps de la filmer. Dites, vous êtes sûr que c'est l'économie qui vous intéresse ? Oh, voyons, monsieur, on est sur France 5. C'est une émission sérieuse, bon sang. Après notre fameux Top CAC, nous aurons la chance d'avoir un cours particulier avec Shanti Mimoud. Cette doctoresse en sciences sociales nous a écrit tout un dossier sur les contrats aidés. Et vous voyez bien que c'est écrit par des spécialistes. Enfin, notre dernier sujet est aussi pulpeux qu'un beau pamplemousse en été. Pourquoi les Françaises continuent à faire des bébés ? Bravo, j'adore ce sujet ! Et voilà, Christian, ils sont pas beaux, nos sujets ? Oh que si ! Ils m'ont tous l'air passionnants. Savez-vous ce que sont les sites de partage ? Non, je ne parle pas du club échangiste en bas de chez moi, mais bien de Airbnb, de Wicar ou encore de Sharewise.fr. Sur ces sites internet, on peut tout louer de l'appartement à l'appareil à raclette. Et j'en connais plein qui arrondissent ainsi leur fin de mois. Gino Malaki est un trafiquant de drogue notoire. Pour ses livraisons, il emploie Johnny Driver, un fou du volant, qui a bousillé toutes ses bagnoles. Alors pour trouver une voiture, il se tourne vers internet. Le partage, est-ce une économie d'avenir ? Gino, je te présente Jean-Jacques. J'ai rencontré sur un site de partage. Et il peut me louer sa bagnole. Ah bon, et ça marche comment ce truc ? Eh bien, c'est très facile. Je me suis inscrit sur un site de partage et je loue ma voiture à Johnny comme aux autres utilisateurs. Tu t'es inscrit sur Internet, toi ? Ouais, et Jean-Jacques est le meilleur. Ceux qui ont déjà loué ma voiture m'ont laissé de très bons commentaires et d'excellentes notes. C'est convivial comme Facebook ou Le Bon Coin, on se fait plein d'amis. Le premier de la classe, je te dis ! En plus, je suis inscrit sur Wicar.fr. C'est un site très sérieux dont la SNCF est devenue actionnaire. Ouais. Effectivement, il a vraiment l'air chiant. Avec sa voiture, je vais passer inaperçu. Ok, mais c'est Diego qui va conduire. Je veux plus de carambolage. Oh. Le moteur est foutu, il t'a arnaqué ton Jean-Jacques. Ah, je comprends pas, il avait de super notes. Hey, salut les gars, vous êtes en panne. Ah, quel bol, un garagiste à l'ancienne. Ah non, je suis le voisin et vous êtes sur ma place de parking. Vous pourriez me la louer sur Carking et ma boîte à outils sur Sharewise.com. J'aurais surtout jamais dû louer cette bagnole. Ah, t'es pas à la page. La tendance, c'est le partage. Pour 83% des Français, l'important, c'est de pouvoir utiliser un produit plutôt que de le posséder. En plus, c'est hyper écologique, man. Sur 30 millions de véhicules, 7 millions sont utilisés moins de 2 fois par semaine. Faut penser à la planète. C'est des trucs de hippie. Ah ouais, bah Airbnb pour la location d'appartements génère plus de 4 millions d'utilisateurs et vaudrait plus de 2,5 milliards de dollars, man. Alors... Alors on va appeler un taxi. Réfractaire, va. Et toi, ça te dit de mettre ton petit business sur un site de partage ? Ouais. Vous avez livré la dope ? Bah... C'est bon, Diego m'a tout raconté. Oh. Tu veux ouvrir un business sur Internet ? Ouais, ouais, je vais me lancer dans l'économie de partage, chef. Tu vas pas gagner une thune. Bah... Et reviens pas ici pleurer. Ah. Hein.
Salut associé, j'ai vachement de connexions sur fumette.net. Ça marche à mort. Toi et moi, on va être comme ça. Tu sais, Billy, je suis pas sûr que ce soit si rentable. Même les sites de bagnoles ne prennent qu'entre 5 et 15% de commission. Il y a trop de concurrence. Mais les gros sites vont racheter les petits et les survivants seront profitables. Comment ça? J'ai déjà racheté sniffette.net et groschute.com. On va se faire des pépettes. C'est cool. Je rappelle que la drogue, c'est mal, et que vendre de la drogue, c'est encore plus mal. D'ailleurs, dans certains cas, l'économie du partage s'apparente à de la concurrence déloyale, n'est-ce pas, Alban ? Lorsque vous louez votre appartement avec Airbnb, en général, vous ne déclarez pas les revenus au fisc. Les hôteliers crient à la concurrence déloyale, car eux sont soumis aux impôts. À New York, un utilisateur a été récemment condamné à payer 2400 dollars d'amende. Pour l'aider, on l'a embauché tout l'été à tracer des lignes blanches. Du moment qu'il évite de les renifler. En tout cas, l'économie de partage est en plein boom chez les fans de Dr. Cac. Voici quelques annonces qui n'ont pas trouvé preneur. Nathalie à Colmar, dans le Haut-Rhin. Je loue Sonia, la première de la classe, pour le concours de Normal Sup. Elle est brillante en latin et on peut copier sur elle. Philippe à la clinique des Bluets dans la Nièvre. Je loue une série de prothèses PIP en 90 CED. Elles ont déjà servi, mais elles sont nickel. Je peux vous les poser pour un speed dating. Catherine à Fontenay-aux-Roses. Moi, je loue une voiture avec moi dedans. Et je sais changer la musique, ouvrir la fenêtre, indiquer la route et bien faire chier. Merci Catherine, ça fait rêver. Devinez quel est le point commun entre la police, les écoles, les retraites ou la santé? Eh bien, ce sont des dépenses publiques, pardi. D'après la Commission européenne, mon boucher et le Fonds monétaire international, la France doit absolument réduire sa dépense publique. Mais comment faire? Jean-Yves Carrière est le nouveau Premier ministre français. Même s'il a des goûts très particuliers en fringues et en déco, il doit penser à nommer son ministre des Finances. Et parmi ses collaborateurs, son cœur balance. Dépenses publiques, où peut-on faire des économies ? Bon, les gars, il faut qu'on fasse des économies. Je veux quelqu'un de compétent à ce poste, qui a une idée. Ah ben c'est facile, on n'a qu'à augmenter les impôts. En 2012, ils ont déjà augmenté de 30 milliards. Moi, je donnerais pas un centime de plus. Ah ben bonjour l'esprit républicain. Et pourquoi on continue pas à emprunter du fric au marché financier? Mais qui les bête? Ça va faire gonfler la dette qui est déjà presque à 100% du PIB. Tu as raison, Marc. Plus on emprunte et plus il faut ensuite payer les intérêts de la dette. Je te nomme ministre des Finances. T'auras un beau vaisseau, mais mollo sur la gâchette. Pfff, va faire encore n'importe quoi avec ces méthodes de bourrin. Oh mon Dieu! Monsieur le ministre, j'ai repéré un gros machin plein de gaspillage. Éducation nationale. Ok, dégraissez-moi ça. Marc, vous êtes dingue. Les profs français sont payés 30% de moins qu'en Allemagne. Ah, oh, mais j'ai juste tiré sur l'administration de l'éducation nationale qui coûte 20 milliards de plus que chez eux. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Marc, mon Amstrad 500 a repéré un gaspillage au niveau des régions. 100 milliards d'euros par an pour les collectivités locales? Mais c'est beaucoup trop! Feu! Marc, qu'est-ce que tu fais? Elle finance la voirie, les infrastructures sportives et culturelles! Ouais, mais il y en a 500 pour 1 million d'habitants, j'en ai juste enlevé un peu! Bon, d'accord, mais on a dit mollo, hein! Mais là-bas, il y a la santé! Il paraît qu'on peut faire 10 milliards d'euros d'économies! Génial! Dézinguez-moi ça! La santé, mais t'es complètement taré! Oh, ça va, j'ai juste touché à l'hospitalisation de jour et aux médicaments inutiles. Si personne ne prend des génériques aussi... Monsieur le Premier ministre, Marc s'approche dangereusement de la planète investissement public. Et il va la défoncer, c'est un bourrin. Daniel, s'il te plaît, c'est pas le moment. En plus, les investissements ne représentent que 5% des dépenses publiques. Et ça, c'est de la bonne dépense. Oui, parce que l'investissement public, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est nous. Mon petit Marc, j'ai eu un coup de fil du président et, comment dire, tu as eu la main un peu lourde. Oh, la France dépense 100 milliards d'euros par an de plus que la moyenne des autres pays européens. J'essaie juste de rattraper le coup. Oui, oui, bah, on va commencer par vous. Je viens de réduire votre budget essence. Ah, bah là, ça tombe mal. On est à sec. Oh, bonne mère, tu n'as pas un jerrycan? Tais-toi et pédale! Inutile de vous débattre, mon petit Marco. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Retrouvons maintenant Colette Pinson, infirmière bigoudaine, qui a un coup de gueule à passer.
Je viens de faire un calcul sur mon cahier. Eh bien, sachez que 1% de dépenses publiques en moins, c'est presque 0,5% de croissance en moins. Et oui, messieurs, il faut y aller mollo sur la réduction des allocations familiales ou même mes indemnités chômage, si vous voulez qu'on consomme. C'était le coup de gueule le plus souriant de l'histoire de l'émission. On se retrouve tout de suite après une courte page de publicité. Bonjour et bienvenue dans ma ville, capitale de la culture en 2013, Marseille a désormais fait peau neuve. On vous bassine avec les faits divers et les histoires de drogue, mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'ici, nos jeunes ont du talent. Cette nuit, plutôt que de vendre du shit, je me suis exprimé sur une rame de la RTM. Avant, je dessinais sagement à Paris sur du papier A4, mais à Marseille, plus de bord, plus de feuilles, c'est la liberté totale. Marseille, c'est une autre façon de vivre. Hier, je me suis fait voler mon portable. J'étais injoignable et mon cousin m'a laissé un texto sur un mur. Eh oui, ici à Marseille, on met à disposition plus de 40 hectares d'expression en plein centre-ville. On revisite Notre-Dame de la Garde. On fait des nocturnes au musée pour les jeunes. Avec à chaque fois la jeunesse au cœur de la politique culturelle. Et nous, à Marseille, on aime tellement les jeunes que l'année prochaine, on organise les championnats du monde de free fight. Marseille 2013, venez vivre autrement. Dans la vie, il y a des sujets qui divisent. Et s'il y en a un qui fait parler de lui, c'est la corrida. Art pour les uns, boucherie pour les autres. 50 villes en France ont le droit de les organiser depuis 1853. Mais sinon, combien ça rapporte? Patrick Savabien est organisateur de spectacles, bar mitzvah, mariage, fête des voisins. Il sait tout faire. Le maire de Bitumville, en Belgique, l'appelle pour organiser son spectacle de fin d'année et il mise tout sur le talent de Patrick. La corrida, est-ce que ça rapporte? À Cannes, ils ont le festival de ciné. À Paris, ils ont le parc Astérix. Et nous, on n'a rien que la friterie. On devrait faire une belle corrida comme dans le sud de la France, vous voyez. Oh, mais vous avez vu la météo ici? Faudrait mieux faire un village country, hein, génial. C'est qu'à Nîmes, ils ont une arène de 13 500 places. Ils accueillent 122 000 spectateurs par an. Alors, je veux une corrida pour booster ma ville. Bon, ok, j'irai voir mon cousin Pedro dans les Landes. Génial, il a déjà présenté Interville. Super, voilà une petite avance de 50 euros à ne pas dépenser dans la bière. Mon cousin Patrick est là pour recruter des toreros d'exception. Qui se lance? Mais faire emballer pour 50 euros, je suis pas d'accord. Normalement, le cachet, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Et José Thomas, il prend même 1 million. Mais José Thomas, c'est une star. Toi, tu es rien que les bouchers. Mais avec 50 euros, je peux pas payer mes picadors et mes banderilleros. Ah, ça va. Mais non, si on n'est pas payé, je me casse. Qui est-ce qui paye l'apéro? Laisse tomber, Pedro. J'ai déjà un super costume de torero. Je vais juste prendre les taureaux. Et pour une corrida, il vous en faut 6. Et pour 6, il faut compter entre 20 000 et 100 000 euros. Ça, c'est pas génial. Ah, Patrick, j'ai bien cru qu'on t'avait fait fuir avec nos tarifs. Non, j'étais à l'hôtel en train de faire mes calculs. Philippe, viens voir, mon cousin a fait ses calculs. Ça va être cher pour remplir l'arène. Faut des billets entre 20 et 90 euros. Ah, vache. J'espère qu'on aura des invités. Ouais, je peux pas. Et même si je vends tout, ma marge nette est de 3% seulement. J'abandonne, c'est pas rentable ton truc. Oh non, embauche-nous. Oui, la corrida, c'est toute notre vie. Alors, c'est vous le taré qui voulez annuler la corrida? J'arriverai jamais à en faire une par mois. Mais c'est juste pour le spectacle de fin d'année. Même dans les Landes et le Gard, ils ont limité leur nombre. Quelques-unes par an, ça suffit. Moi, je suis restaurateur et pour mes collègues dans le sud, une feria, c'est 50% de leur chiffre d'affaires. Et en Nîmes, une fois, ils estiment à 50 millions d'euros les retombées économiques pour la ville pendant celle de Pentecôte. Mais c'est énorme, une fois, je veux une corrida pour vendre des frites. Bon, ok, je veux bien en faire une, mais je choisis la grille de spectacle. Ça va être génial. Ok. Bah alors, c'est ça une corrida? Bah oui, y'a même pas de vache. Tant que les restos sont pleins, je laisse faire l'artiste, hein. Le petit bonhomme en mousse, c'est génial. C'est l'enfer, il rate le tournoi. Mais qui a dit qu'il fallait tuer des animaux pour s'amuser? Sûrement pas vous, Eva Jolie. Vous devez confondre avec mon homonyme. Moi, j'adore la corrida. Sauf que la TVA sur les tickets est à 20,6%. Pour un art reconnu au patrimoine culturel immatériel de la France, on devrait la ramener à 5,5%, comme pour le théâtre et l'opéra. Parce que voir les petites fesses moulées de José Thomas dans son beau fuseau turquoise, ça vaut tous les blockbusters du monde. Mais ça ne vaut certainement pas 4 minutes de Dr. Cac.
Il est maintenant l'heure de retrouver Tobias qui nous présente le top cac de cette semaine. Et salut les gravates! Ce soir dans le top cac, les meilleurs flots de la planète écho. Cette semaine, en troisième position, il faut acheter ses albums parce qu'elle est complètement ruinée. Chloé Déco, je vends 17 mètres carrés. Alors je vends mon appart au rez-de-chaussée et sans cave. Chambre aveugle sans fenêtre, il est super mal placé. Y'a des tocs dans la cour, les éboueurs te réveillent. À 6 heures le week-end, c'est 20 000 euros le mètre carré. Et moi qui croyais que c'était une chanson. On continue avec la deuxième marche du podium, les Sheep and Dead de Mougins et leur formule à 11,90 euros. Resto basket. Quand on va au resto, on n'a pas d'argent. Mais on a des baskets et la rage aux dents. Resto basket, resto basket, on est bien content. S'arracher sans payer, c'est bien plus marrant. Enfin cette semaine, Marc Ladouane se hisse à la première place du top en transformant ses dragas quotidiens en tube international. J'ai plus de réseau. Petit week-end à la mer avec des copains pour respirer la brise et l'air marin. Dès que j'ai vu la mer, j'ai plongé dans l'eau avec mon portable dans mon sac à dos. J'ai plus de réseau, j'ai plus de réseau. Pour appeler ma mère, c'est archi chaud. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve dès samedi prochain. D'ici là, soyez bien. Savez-vous ce que sont les CAE, les CNE, les CPE, les CES ou bien les TUC? Non, ce ne sont pas des gâteaux apéro. Ce sont les ancêtres des contrats aidés réservés aux jeunes ou aux seniors. Ces contrats insèrent en permanence 350 000 à 600 000 personnes, mais qu'en pensent vraiment les intéressés? Stéphane Gatineau dort toute la journée car il n'a pas de travail. Ses parents s'inquiètent et pensent qu'un contrat d'insertion lui mettrait le pied à l'étrier. Mais Stéphane n'est pas pressé de se réveiller. Les emplois aidés sont-ils de vrais emplois? Allô? Oh, il est 15h, me dis pas que je te réveille. Salut, ma. Bon, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un contrat aidé? Ah, le truc d'un vieux, les contrats génération pour insérer les seniors. Et il y a aussi le contrat d'avenir pour insérer les jeunes. Ne fais pas celui qui ne sait pas, Stéphane. Je sais surtout que c'est le gouvernement qui en profite pour faire baisser les chiffres du chômage. Mmh. Ça fait 500 000 personnes en dehors des statistiques. Moi, je veux un vrai boulot. Mais justement, je suis avec Gertrude, une voisine qui pourrait te prendre en contrat d'insertion. Ma. Bon, je te la passe. Elle t'expliquera mieux que moi. Allô, bonjour Stéphane. Bonjour madame. Je peux te faire un contrat d'auxiliaire jardinier. Je passerai demain, mais seulement pour faire plaisir à maman. Waouh, c'est vous madame Gertrude? Mais tu dois être Stéphane qui vient pour le contrat d'insertion. Ah, je pensais pas que vous seriez aussi... Tenez, je vous ai fait un flan. Oh, tu es charmant. Nos téléphones, tu ne semblais pas très intéressé par les contrats aidés. Non, c'est surtout que je voulais pas m'imposer. Faire le gars qui a trop la dalle, vous voyez. Mais tu ne m'imposes rien du tout. Je bénéficierai temporairement d'aide publique pour abaisser le coût de ton travail et favoriser ton embauche. L'État met 2 milliards d'euros sur la table pour t'aider. Mais tu n'as peut-être pas envie de récurer ma piscine. Oh ben là, j'ai carrément changé d'avis, j'adorerais. Très bien, alors c'est parfait. Ouais, génial. Je dois te prévenir que le contrat unique d'insertion dure au maximum 2 ans. Oh, et c'est largement suffisant pour faire connaissance. Tiens, attrape ça, Gertrude. Bisous, maman. C'est chouette, vous avez l'air de bien vous entendre. Ah ouais, j'ai pris confiance grâce à ce contrat, pas vrai? Les emplois aidés, c'est l'idéal si les bénéficiaires restent en poste après la fin des aides publiques. Il faut d'ailleurs qu'on en discute. Bon ben, je vous laisse négocier, moi je vais récurer la piscine et c'est parti. Vous savez, Francine, je ne peux pas le garder plus longtemps dans mon association. Ah bon? Vous n'avez pas une boîte? C'est une association? Ça ne change rien, sauf que 6 mois après la fin des aides publiques, 30% seulement des jeunes décrochent un job dans le secteur associatif, alors que c'est 65% dans le privé. Bah alors, pourquoi vous montez pas une boîte? Parce que de toute façon, il est inadapté. Elle est super bonne! Vous venez vous baigner, les filles! Ah, les aides ne font pas tout. Il faut aussi s'aider soi-même. Les emplois aidés ont aussi une dimension psychologique et peuvent aider un enfant à passer à l'âge adulte.
C'est le résultat d'un sondage rendu par nos experts en psychologie du jeune, Dick et Diffoon. Hé, hey, les mannes, 75% des bénéficiaires jugent que les contrats aidés leur ont permis de reprendre confiance. Et 50% des autres mannes assurent y voir plus clair sur leur avenir professionnel. Pour les 50% restants, il reste Dr. Cac. C'est maintenant l'heure de notre nouvelle rubrique. Prenez un carnet et un stylo, on va vous filer des super tuyaux. Autoplando. Trafic, arnaque, occasion. Autoplando présenté par Dominique Lapinte. Aujourd'hui, dans Autoclando, on va tout savoir avec Fabrice sur l'alcool au volant. Kurt va nous montrer comment récupérer ses points de permis. Et enfin, on fera le point sur le salon de l'auto de Bourrin-les-Bains. C'est parti. L'alcool au volant, c'est la plaie. Alors, dans notre centre de formation, on vous forme pendant 15 jours à conduire bourré. Regardez. Alors, t'as bu quoi ? Je suis vodka, tonic et 4 whisky, coca. Ok, t'y vas mollo parce que le jeune s'est déjà enfilé 2 bouteilles de Malibu, au moins 8 ou 9 grammes. Pas de soucis, c'est parti. Même pas, il est gratuit. Retrouvons maintenant Kurt Cobain qui va nous expliquer comment récupérer ses 12 points de permis. Faut faire des fausses déclarations et on a industrialisé le truc avec mon cousin Bernie. Vous nous envoyez votre chèque avec votre infraction et on colle tout sur le dos d'un pauvre type, genre premier de la classe. On prend 50% de commission. Et sinon, on fait aussi des faux costumes de flic. Tenez les gars, 12 points gratuits, cadeau de la maison. Pour finir, on file à Bourrin-les-Bains, retrouver Jean-Phi. Et bienvenue au salon de la voiture locale sous ce magnifique soleil de Bourrin-les-Bains. Ici, vous trouverez de tout. Des 4 portes, des 2 portes, des 100 portes et des mobs. Pour les plus friqués, offrez-vous une R5 4 roues motrices. Pour les fauchés, on vous fait le demi-châssis à 20€ la journée. Kamel de Thionville vous vend sa Twingo intégralement tunée avec des pièces de machine à laver. J'ai mis des autocollants pour que ça fasse genre américain. Et toi, Guillaume, t'es venu pour vendre quoi ? Un super Range Rover avec des jantes en alu. T'es sûr que c'est pas plutôt une Fiat Panda ? Ouais, bah j'espérais que ça se verrait pas trop à la caméra. Et ça s'est vu. C'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. À la semaine prochaine. En Europe, la natalité est tombée à des niveaux très bas depuis 1990. Mais la France est le seul pays où le taux de natalité ne faiblit pas. Alors pourquoi les Françaises font plus d'enfants qu'ailleurs ? Moi en tout cas, je n'ai eu qu'un enfant avec Madame Cac. Christian Junior, n'oublie pas que tu viens manger dimanche. Michael Clapton est agent de recensement américain. Il est missionné pour évaluer le taux de natalité en Europe et ne comprend pas pourquoi en France, il est toujours de 2,01 enfants par femme. Il va vite le savoir grâce à l'accueil légendaire du peuple gaulois. Pourquoi les Françaises sont-elles encore les seules à faire des enfants ? Oh, un petit Français ! Hello, mon petit. Si vous êtes Francis Holm, foutez le camp ou j'appelle les flics. Mais je suis pas Francis fucking Holm. Je cherche les Casachos, tu connais ? Bah, bah c'est nous. J'ai 6 frères et sœurs. Oh, une famille nombreuse. Je te dépose. Ok. Tu sais, aux United States, en 4 ans, avec la crise économique, le taux de natalité est passé de 2,12 à 1,89 enfants par femme. Alors j'aimerais bien savoir comment, dans ce trou paumé, ta mère a réussi à vous éduquer. Bah parce que la France a bien résisté à la crise, monsieur. Faut pas nous sous-estimer. Ah bon ? Et vous ne mettez pas de goudron sur vos routes ? Say cheers ! Tenez, ça vous fera un souvenir. Vous ne devez même pas avoir d'appareil photo. Excusez-moi, monsieur, mais c'est pas parce qu'on est nombreux qu'on est pauvre. Oh, pas à moi, mon grand. Vous êtes 6 bouches à nourrir. Je sais ce que c'est. L'État français a une politique courageuse et volontariste. Hein? Il dépense chaque année 83 milliards d'euros pour les familles. My gosh, ça fait 5% du PIB français. Ouais, rien que la Caisse nationale d'allocation familiale distribue 52,6 milliards d'euros avec la prestation à la petite enfance, les allocations familiales, les prestations indirectes ou l'aide au logement. Ok, vous êtes riche, alors je m'invite à manger. Et vous me remplissez bien mon assiette, madame, que je fais des gaz pour en profiter. Et vous savez, avoir autant d'enfants, c'est pas tous les jours facile. Ouais, votre fils m'a tout raconté. Vous payez même pas d'impôts grâce au quotient familial. Et j'imagine que votre mari a fait des travaux avec le fric des allocs. Mon mari est mort et il manque un homme à la maison. Oh, pardon, sorry, je savais pas. C'est délicieux. Enfin, quand on est une femme au foyer, on a que ça à foutre. Mais j'ai toujours travaillé. Quoi ? Et qui changeait leur couche ? Enfin, je les ai mis à la crèche.
En France, 43% des 0-3 ans fréquentent un service d'accueil à temps plein. What? Alors que dans les autres pays de l'OCDE, c'est 30%. Ainsi, je m'épanouis en alliant vie de famille et vie professionnelle. Bon, ok, j'ai compris ce que tu veux, cocotte. J'emprunte ta brosse à dents. Mais tu veux pas un gosse de plus? Je croyais qu'il manquait un homme à la maison. Oui, pour repeindre la cuisine. Je ne vais pas coucher avec vous pour toucher plus d'alloc. Foutez-moi le camp, sale Yankee. God damn. Eh oui, il y a certains raccourcis qui mènent tout droit à la porte de sortie. Ah mais, Blondine de Rothschild, richissime héritière, a des précisions. Christian, ce que j'ai à vous dire m'a foutu la trouille. En 2013, ces affreux socialos au pouvoir ont envisagé la suppression des allocations familiales des plus riches. Ils ont finalement modifié le quotient familial, ce qui va augmenter mes impôts. Et ça, ça manque franchement de classe. Et il ne faudrait pas que les riches arrêtent de se reproduire, sinon qui va payer des impôts? Notre émission touche à sa fin et on a demandé à Greg de rassembler un panel de téléspectateurs pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Allez-y, hein, pas de tabou, lâchez-vous. Oh, j'ai bien aimé les sujets. Les dépenses publiques, la natalité, la corrida. D'ailleurs, le cachet du torero à 1 million d'euros, moi je bute une vache pour moins que ça. Faut encore avoir des tripes, je parie que t'es pas cap. M'en fous, j'ai pas peur de la mort. Moi je donne 10 sur 10 à l'économie de partage. Je vais pouvoir, sans me ruiner, louer un appareil à raclette et me faire une vraie soirée fromage. Mais personne viendra. Toi, je t'ai pas invité. Et les autres sujets, vous en avez pensé quoi? Je ne savais pas qu'il y avait 500 000 contrats aidés en France, c'est énorme. Et sinon, sur la forme de l'émission? Personnellement, je trouve ça très original. Parler d'économie en détournant des vieux films, c'est sympa. Ouais, avec des stars d'Hollywood qui font rêver. En plus, c'est vintage comme les 70s, les 50s. Des vieux films, des images d'archives, que des gens morts. Mais c'est macabre. Et si ces images sont utilisées pour le débrief, ça voudrait dire que... Oh, ça voudrait dire que nous aussi, on aime... Eh oui, gros débile, quand je te dis que personne viendra à ta soirée raclette. Oh mince. Moi, en tout cas, je suis bien vivant. Bien, il est l'heure maintenant de retourner jouer aux billes avec vos pilules ou de me rejoindre sur Twitter et Facebook. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr. Cac, comme c'est assez clair. Je vous souhaite la bonne soirée.